Tennis à présent, trois Français en huitième de finale de Roland-Garros. Ça ne s'était pas vu depuis 1991. Cet après-midi, Sébastien Grosjean et Arnaud Di Pasquale tenteront de se qualifier pour les quarts. Je vous le disais dans les titres, le public de Roland-Garros s'est trouvé un nouveau chouchou. PHM, Paul-Henri Mathieu, 20 ans. Il doit affronter tout à l'heure l'ancien numéro 1 mondial, aujourd'hui numéro 4, André Agassi, qu'il a beaucoup admiré à la télé. Le jeune Français le dit lui-même, il va essayer d'aller le plus loin possible. Faisons mieux connaissance avec PHM. Stéphanie Pérez, Jean-Christophe Duclos. Il est en train de vivre le rêve de sa vie. Cet après-midi, Paul-Henri Mathieu affrontera André Agassi, le premier grand match de sa carrière. Sur cet impressionnant central qu'il a découvert hier pour la première fois à l'entraînement. Et ça, c'est un beau cours et j'espère faire des exploits dessus. Agassi, ça va être dur quand même. Ben, c'est sûr, ça va être très dur, mais bon. Il y a deux bras, deux jambes comme tout le monde et je vais essayer de faire le maximum. Timide et solitaire dans la vie, Mathieu se libère sur le cours, enfin. Car son histoire est celle d'une éclosion tardive. En 96, c'est la terreur des tournois juniors. Il remporte les petits as de Tarbes, l'Orange Bowl. Il est l'avenir du tennis français. En 2000, il accroche Roland Garros Junior à son palmarès. Mais il a du mal à gérer sa réussite, ne se donne plus le droit de perdre et sombre dans le doute. Sa rencontre avec son entraîneur Thierry Champion lui a permis de grandir doucement. Objectif maintenant, ne pas subir la fameuse pression. Le plus important pour lui, c'est par rapport à tout ce qu'il vient de faire, c'est de garder la tête froide et que voilà, qu'il reste lui-même. Je crois qu'il ne dise pas, bon voilà, maintenant je vais me faire plaisir contre Agassi. C'est pas le cas, il faut qu'il rentre pour gagner, il a des armes, il va falloir qu'il s'en serve. Et puis c'est vrai que ce sera dur, mais c'est pas impossible loin de là. Le plus dur, ce sera d'oublier le palmarès impressionnant d'André Agassi. 7 victoires en Grand Chelem. Et un parcours très convaincant ici depuis une semaine. L'Américain n'avait jamais entendu parler du jeune Français. Mathieu tentera tout pour le surprendre.